fois deux objectifs. Le premier, c'est de faire une vraie fête pour les enfants, un peu dans l'esprit de ce qui se faisait, nous dit-on, avant, qui était la ville aux enfants. Donc le but, c'était de réunir les enfants, des centres de loisirs et puis d'avoir un vrai temps de partage et de jeu. La seconde chose, c'est qu'ils puissent se réapproprier leur environnement, mettre une rue piétonne, voir que c'est possible, qu'on peut travailler avec les mobilités douces. Nous avons différents stands qui travaillent aussi, la police, pour leur apprendre les réflexes, tendre son bras à vélo, etc. Et puis c'était aussi avoir une connotation développement durable. Nous avons les espaces verts qui montrent comment planter des herbes. Nous avons aussi la MJC qui participe. Le théâtre Le Passage, c'est une vraie collaboration pour faire une belle journée de fête pour les enfants dans la rue Théogène Bouffard, qui en plus a été refaite et qui est un espace partagé. C'est-à-dire que les voitures ici sont tolérées. Donc aujourd'hui, elles sont complètement absentes, mais vous noterez que c'est pour le plaisir de tous. C'est une première édition, c'est donc nous avons répondu à un appel à projet, nous allons recommencer. Ce sera peut-être dans une autre rue, c'est le souhait de Madame le maire qui voudrait que les quartiers puissent tous être investis. Donc oui, on va y retravailler dès maintenant.